Eh bien bonjour, bonsoir à tous, c'est Tomok BRK, ou plutôt Maya BRK. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit Northgard, un Northgard des familles avec la guilde BRK, bien entendu. Donc, nous allons tout de suite lancer, aller sur le Discord et faire des petites parties totalement chill sur Northgard ce soir. Donc, ce sera pas du Monster Hunter. D'ailleurs, j'en profite que ce soit le tout début du live pour vous dire que. La semaine prochaine, il n'y en aura pas avant minimum mercredi soir. Voilà, parce que je vais bouger un petit peu, j'allais me mettre un petit peu au vert. Ça va nous faire à tous et à toutes du bien. Donc, sur ce, nous allons démarrer le magnifique Northgard. Parce que le jeu a bien changé, ça nous fera du bien aussi de retourner un coup de temps en temps sur ce jeu. Même si vous l'avez vu, en ce moment, je suis énormément sur Monster Hunter, hein, il faut le dire. Allez, on est parti. Hop, le jeu en capture, nous ne sommes pas sur Monster Hunter Rise, nous sommes sur Northgard. Alors, on va faire les petits réglages qu'il faut pour que vous ayez toutes les informations. Hop. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc, et voilà. Marcus Carpus. Marcus Sacapus. Oula, je suis fatigué. Bon, je reviens d'une grosse fête. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendu. Hein. Donc, je vais être un peu dyslexique ce soir, m'en voulez pas. Coucou, salut à toi, merci d'être présent. Et on a notre magnifique Yoshit. Donc là, vous le voyez pas, hein, sur votre écran, mais il est parti sur Monster Hunter pour farmer tout seul. C'est pas grave, on le rejoindra peut-être plus tard. Merci, petit Jésus. Merci à toi. Je vais te mettre un. Seigneur Dieu. Voilà. Ah, salut Aurélien, comment tu vas? Allez, ça y est, ça commence à rejoindre sur le Discord. Ah, bah pour finir, tu es là. Tu m'entends pas? Attends, je vais regarder au niveau du micro. Tac, tac, voix, vidéo, et tout, machin. Là, tu m'entends? Bon, quelques petits soucis techniques. Je te vois en mute. Tu as dû cliquer sur mute, sur ton Discord. Alors, nouveau salon. Alors, normalement, on devrait être 3 ou 4. Je t'entends pas. C'est bizarre. Ah, nickel. Bon, tu vas bien? Bon, ça va. Grosse journée, fatigué. Pourtant, on est dimanche. Je me suis endormi sur ton stream la dernière fois. J'étais super fatigué. C'était sur quel stream que t'étais la dernière fois, Aurélien? T'étais sur Rise, je crois. Bon, on va attendre quelques minutes pour le reste de l'équipe sur le Discord et ensuite on lancera là où l'est parti. On peut te rejoindre? Ouais, carrément. Alors, si tu veux, tu as l'adresse du Discord avec toutes les informations qui sont dedans dans ma bio. Donc juste en cliquant sur le logo Discord, tu devrais pouvoir avoir une invitation pour aller directement dessus, puis tu peux nous rejoindre sans souci. Suis déjà sur le Discord? Ah bah, donc ce qu'on va faire, on va laisser comme ça, carte lieu mythique, on va le régler en normal sur invitation. Hop, suivant. On va se mettre en. On va être combien là ce soir? 3 ou 4? Numéro de partie. Ah, le voilà. Ah bah oui, c'est vrai, je suis disponible. Bah voilà, c'est fait. Ça signifie quoi, BRK? Alors, BRK, c'est les. Comment expliquer?
Ça fait partie de mes noms de famille. Voilà, parce que j'ai plusieurs noms de famille. Donc, BR pour mon nom de famille principal et K pour mon second nom de famille. Voilà. Et bonsoir! Ah bah, nous sommes quatre. Donc, on va partir sur du 4 contre 4. Alors, il y avait normalement. Ah bah, Ursus, c'est bon. Vader058. Ah bah, il est là aussi. Donc, ce qu'on va faire, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5, il n'existe pas de 5 contre 5. Ouais, pour bien, ils nous ont. Bah, il manquait Iranox qui avait dit qu'il serait peut-être dispo, mais je vois qu'il est sur Shadow of War. Non, bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est. Ce sera un chacun pour soi ou équipe libre. Après, on peut faire du 3v, du 3v2 ou un truc dans le genre, hein. Eh bien, c'est parti. Taille géante, taille grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, c'est parti. Hop. Voilà. Donc, normalement, vous allez pouvoir me rejoindre. Alors, si vous m'avez pas, dans le compendium, vous avez vraiment toutes les infos de. Bah des personnes qui ont renseigné leur idée Steam pour pouvoir jouer ensemble. Hop. Alors, dedans, j'ai qui? J'ai Okuto, c'est toi? C'est parti, c'est envoyé. Hop, alors Ursus. Non, c'est une liste privée. Alors, invité contact, normalement, je dois t'avoir quelque part ici. Hop, je t'ai invité. Et il nous en manque deux. Ouais. Oui. Ah! Alors, pour ajouter des contacts, tu vas dans Steam, tu vas dans Contact, ajouter un contact. Et en fait, quand tu es dessus, tu vois, tu as votre code de contact et en dessous, tu as saisissez un code de contact. Et donc là, tu fais tout simplement copier-coller sur les informations qui ont été mises sur le compendium. Y a pas de quoi. Hop, alors. Invitation. Hop, accepté. Ouais, bah attends, là je suis plus dessus du tout. Par contre, je t'ai accepté, mais je te vois pas en jeu. Ah! Ah bon? Ok. Vas-y, t'inquiète. Hop, contact, ajouter un contact si ce n'est pas déjà fait. Du coup.
Non, pas pour l'instant, pas de date pour l'instant. Si jamais vous êtes en vocal, on les entend pas sur le stream. Merci, merci Aurélien. j'avais pas activé le... j'avais pas activé le casque. Enfin, le renvoi du casque sur le stream. Mais non, pour le reste des nouveautés sur Northgard, pour l'instant, on n'a pas encore d'informations. Alors, qui manque dans la partie, là, pour l'instant? Normalement, je me suis connecté au jeu, maintenant. Ah ouais, c'est... alors, tac, tac, tac... Ah, ça y est. Et ça y est. Hop. On va peut-être fermer l'emplacement. Alors. Voilà, nickel. Comme ça, on est vraiment 5. Yaranox. Yo. Comment tu vas? Ça tombe bien, yeah. Du coup. Bah là, ça tombe bien parce qu'on est peut-être un de plus. Bah voilà, un de plus. Ouvrir l'emplacement, donc c'est parti. Grande équipe libre. Paramètres. Alors, est-ce que je peux modifier les paramètres tout de suite ou pas? Ah bah non, bah de toute façon, on est en équipe libre, donc ça ne change rien. Bien et toi? Bah écoute, fatigué, mais ça va. Boubourek, salut tout le monde, salut Boubou! Le plus beau de Boulerouk! Le Boubourek. Alors, à titre d'information, il y aura un live Resident Evil la semaine prochaine. Ok. Sur la chaîne, donc on reprend les let's play rétro. Alors, certainement jeudi ou vendredi, et ce sera sur le Resident Evil 1 Remake sur GameCube. Donc on va être à deux, on va faire en sorte de mettre une cam ici et une cam de l'autre côté. Et ça va être bien rigolo. Et ça va être aussi un live cosplay. Ouais. Ça va chier. Salut tout le monde. Ah, allez, voilà. Ah ben, puis attends, je pensais que vous étiez allé. Non, bah on t'a attendu, hein, sans spécialement le vouloir, mais c'est fait. Alors, quel clan va-t-on jouer? Donc là, ici, en face, nous avons un clan du corbeau, on a un clan du dragon, on a un ours... Moi, je vais me mettre en équipe 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du 3 contre 3? Est-ce qu'on fait du 2 contre 2? Parce que là, on peut faire du 2 contre 2 contre 2 ou du 3 contre 3 classique. 3 contre 3, je dirais. 3 contre 3? Ouais, c'est peut-être mieux parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Il peut être mieux d'équilibrer un peu. Je reste pas longtemps pas fan de Northgard. Non, je comprends, bro, t'inquiète. Ouais, bah on peut faire un 3 contre 1, c'est pas gênant. Alors par contre, au niveau des boucliers, vous voyez, vous avez plusieurs équipes. C'est ce qui va vraiment définir l'équipe dans laquelle vous allez être. Ouais, ouais. Moi, j'ai mis 2, je sais pas... Attends, il y a Perfect qui avait 2, et Renov 2. Okay. Alors... Très bien, j'ai jamais joué contre des joueurs. Bon, bah de toute façon, là, on va jouer très très tranquille, hein, très chill. Ouais. Juste, si vous voulez, essayez de prendre un clan, mais genre différent de chacun, comme ça, genre, il y a une diversité. Ah, parce que là, on a quoi? On a... Bah là, on a deux corbeaux. Ouais, comme ça, genre, il y a un clan chacun. Ouais, voilà. Ah, et puis le clan du cerf, en plus, il a eu un up phénoménal.
Ah, il est devenu excessivement fort, hein, très clairement. C'est devenu un clan top tier. Ouais. Alors, je mate au football féminin, c'est abusé, ça simule de partout. Ils sont même pas encore rentrés sur le terrain. Ah, je pensais que t'allais faire une petite blague misogyne, hein. Mais même pas. Je suis surpris et déçu en même temps, Boubourek. Du coup, est-ce qu'on reste tous ici ou... Ouais, on reste tous ici. Moi, je n'ai rien à cacher. Bon, et puis avec le clan du cheval, ça va être... La vaisselle va pas se faire tout seul. Ah, voilà, ça y est, je retrouve mon Boubourek. Bon, vous êtes sur un stream de bof, hein. Je vous avais pas prévenu, mais voilà, c'est fait. Alors, ok, donc on a ça. Ça, c'est quoi comme map là ? Bon, de toute façon, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est très chill. Donc, n'hésitez pas à parler entre vous. Hein, y a pas, là, du moins sur Northgard, en termes de stratégie, il va pas normalement avoir d'informations confidentielles. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser un chat en interne. Donc, en appuyant sur Entrée. Genre. Là, ici, en termes d'équipe, normalement, il n'y a que ceux de mon équipe qui sont censés pouvoir voir le message. Je suis en qui, du coup ? Alors, j'ai quoi ? J'ai deux forêts. C'est quand même la forêt, non ? Le gars, il commence, ouais, il y a deux forêts, quoi. Deux forêts, c'est pas ouf. Oh là là. Ouais, tout le monde a des forêts. Moi j'ai pas des zones de foufou, hein, mais... Sympa les forêts. Ouais, j'en ai deux, quoi. Ça va être... Quoique, ça peut le faire. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Ah, génial. Parfait. Alors ici, qui est nouveau sur Northgard ? Moi. Alors tu... Moi un peu, parce que je joue un petit peu sur mobile avant. Donc... Ouais. Il y a pas mal de nouveaux. Ils diffèrent pas énormément. On est... Enfin, trois nouveaux sur Northgard actuellement. Donc c'est pour ça on va jouer tranquille. Là on est parti sur une map Ragnarok en normal. Ah mais c'est pour ça, c'est Ragnarok. Voilà, mais ça va être tranquille, hein. On va pas non plus mettre à sac. Aux armes. Faut qu'il y ait un Kraken là. Ok. Bon, à côté de chez moi j'ai une Valkyrie, donc super. Ah ouais. C'est pas comme si j'en avais extrêmement besoin, hein, mais... Soit. Après, ouais, coup de torse, c'est pas mal. Ouais, écoute, ouais, voilà. Bah après, je pense pas que c'est comme ça que je vais le jouer. Enfin, je vais pas le jouer agressif, du moins. Boubourek précise à l'équipe d'en face que s'il gagne, ils sont permaban. Ah, oh bah tiens, mais j'y avais pas pensé ça! Je vais le mettre dans les points. Ah, c'est une technique. La technique secrète du clan du cheval. Ah oui. Alors. Ahoy.
Alors, je sais pas vous, mais moi, pour ce début de partie, c'est pas la joie. Hein. Ah, moi, si j'ai plein de coach à côté, c'est parfait. Parce que là, on a quoi? Ah ouais, toi... toi ici, là. Tu commences plutôt bien ta partie. Après, je sais pas pourquoi c'est écrit une plage, mais j'en ai plein de plages. Bah, t'as de la chance. Ah, quoique, moi, non, non, c'est bon, j'en ai trois. Cap Benji, salut à toi. Bienvenue Cap Benji, sois le bienvenu parmi nous. On est sur Northgard. Je sais pas si tu connais bien le jeu. Un STR, temps réel sur l'univers viking, très sympa. Et oh merci, merci au couteau. Ah ça, ça tu me fais plaisir. Salut. Pas du tout, j'en profite pour découvrir. Eh ben t'es sur la bonne chaîne. Et j'en profite pour dire que je fais quelques petits tutos pour les débutants sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Donc c'est un jeu en temps réel, donc simulation d'exploration et de gestion de ressources et de guerre à l'univers viking. Et ça sort d'un studio français, un studio sur Bordeaux. Donc c'est très agréable. C'est quoi Volcano? J'ai jamais vu ça. Ah c'est ça. Ah, c'est toi qui l'as découvert? Ah bah j'étais dessus en plus. Ouais. Bon, tant mieux. Ça me fait penser à Age of Empire, LOL, style de jeu. Ouais, c'est ça, ça ressemble un petit peu à du Age of Empire. C'est parce que c'est beaucoup plus chill que Age of Empire. Ah oui, oui, c'est plus chill, ouais. Ouais, ouais. Là, on est vraiment... Le temps passe pas tranquille. De la même manière sur Northgard. Non, non, non. Sur une grosse session, c'est... Bah, je trouve justement que le temps qui passe sur Northgard est plutôt bien rythmé. Ouais, je trouve aussi. C'est pas trop lent, c'est pas trop rapide. On a un cycle de saison assez régulier, ce qui est normal, mais c'est bien calculé. Moi, j'adore le temps qui passe. Avec les exemples que tu dis, c'est pas trop long, c'est pas trop rapide. Ils ont bien géré le truc. Ouais. J'ai bien marre, chaque fois que je joue avec des amis, c'est en mode c'est trop lent, on tire les trucs et tout. Mais genre, il faut. Mais avec les gens qui font vraiment avoir une mentalité de jouer chill, quoi. Bah, ouais, donc, voilà. Ça sert à rien de se presser sur le jeu. C'est un peu ce que j'aime. Ouais, c'est vraiment tranquille. Moi, j'aime bien. C'est un jeu où. Enfin, à part quand tu joues en classé, en ranked, mais quand tu joues comme ouais. Ça entre potes ou alors même des parties tout seul, voilà, tu te poses, t'as 45 minutes sur une partie environ, hein, 45 minutes, une heure, mais t'es bien, t'es tranquille, t'as un jeu avec un beau design, avec une bonne mécanique de jeu. Donc c'est pas mal. Alors ici, on a quoi? Ok. Il est chaud, le clan de l'ours. Je pense qu'il reste tellement peu d'HP. Oh là là! Ah ouais! C'est mon bébé, ça. C'est mon bébé. Et la confiance en l'ours, c'est... Ah bah ouais, là, t'as eu confiance, bien bien confiance même. Comment ça, vous avez pas assez de maisons? Mais lâchez-moi la grappe. T'as pas assez de maisons. Ils sont jamais contents. Après, imagine, t'as pas de maison, toi. Donc, voilà. Bah, ils sont obligés de dormir dehors, là, on arrive à l'hiver, en plus. Ouais. Et merde, il fait quoi, mon chef de clan, là? Donc, ouais, ça, je vais... Ça va être intéressant. Oh, je me fais attaquer. Ah ouais. Un petit loup de merde. Il y a quelqu'un? Oh, juste à côté de chez moi, putain. Je
j'ai mis Cobalt et les Merc Alpha juste côté de chez moi. De classer aussi en ligne sur Northgard. Ouais, il y a un système de classer, ouais. Raiji, salut Raiji, bonsoir à toi, comment tu vas, bro? Ça fait plaisir. Alors, t'as un système de classer. Alors, déjà, t'as un système d'expérience, on va dire, en interne, qui dit si tu es villageois, guerrier, si tu es Jarl ou Tan. Et en fait, c'est ce qui va monter, on va dire, ton prestige. Mais c'est que des données, on va dire, factices. Et derrière, tu as une partie PVP. Toutes tes parties en PVP, plus ou moins, sont classées. Et ça te permet de monter en termes de... Bah, en termes de renommée in-game. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve ça plutôt bien fait. Bah, j'avais regardé déjà avec le mode conquête et tout, il y a pas mal de petites choses à développer. Enfin, ouais. Là, j'ai fini justement le mode conquête avec l'ours. Enfin, ouais. Là, c'est pas mal. Hein. Ça me fait penser un petit peu à la reine d'Hearthstone. Oui, ouais, si, ouais. Un petit peu au compte-goutte. C'est ça. Raiji, ça va super et toi, poteau? Bah écoute, ça va. Bah, comme je disais tout à l'heure, fatigué, je reviens d'un anniversaire. Pour les 40 ans d'un ami, et bien mangé, bien bu, la peau du ventre bien tendue, hein, comme on disait. Mais c'était bien, ça fait plaisir. Il faut de temps en temps se reposer et pas trop se prendre la tête. Tant mieux. Oh, je suis à plus 5 en nourriture en hiver, c'est pas mal. Faut bien fêter ce genre de choses. Bah ouais, en fait, il fêtait ses 40 ans, enfin pour la petite histoire, hein, je parle de ma vie. Hein. Il fêtait ses 40 ans et en plus, il a ouvert son entreprise, donc c'était un petit peu sa pendaison de crémaillère. Et c'était... bon, c'était sympa, on était une petite quarantaine, mais on était bien espacés parce que bah, il faut encore aujourd'hui faire attention à tout ce qui peut se passer. Mais c'était bien, il faisait beau, donc on a passé un super moment. Bah j'y pense, vous les gars, la journée. Ça a été pas trop chaud? Non, chez moi c'est tranquille. Ouais. Tranquille, ouais. Je suis pas en fond, mais ça va. Hein? Bah plus 19 en nourriture, c'est pas mal. Ça va, ça se prend. Parfait. Alors ça m'intéresse. Savoir ce que je vais faire ici, enfin plutôt peut-être là ici. Ouais. Ah merci bien. Je t'en prie. En plus 28 en nourriture, j'en ai besoin. Je vais essayer de diviser la découverte par commerce. Yes. Bon, je suis pas même habitué, tu joues au clan parfait pour ça, donc... Ouais. Tout bien. Directement en commune, quoi. Ah ouais. Ah, c'est tout.
Allez, j'enchaîne, j'ai pas le temps. En vrai, je vois ça. Ah ouais, non, mais là, c'est... Voilà. Ouais, là, il a pas le temps du tout. Hein. Mm. Après, c'est bien, ça va nous permettre de pouvoir avoir pas mal de ressources rapidement. Après, là, je suis en max pour la nourriture, je suis en train de faire un silo, justement. Ouais. Ça, ça peut être intéressant. Ok. Les dragons. Oui, le clan ne peut pas se développer, je sais. Lâchez-moi la grappe un peu. Ce petit message d'erreur. C'est bientôt l'hiver, hein, ça va, je vais faire ça. Bon, ça va pour l'instant, je suis pas encore trop à la ramasse niveau renommée. Oh. Parfait, je suis en train de faire un compteur en plus. Ah! Mauvais timing, disons. Ouais, c'est pas trop mon cas non plus. Bon, du coup. Je vais pas dire que je suis dans le mal, là, mais bon. Bah, je peux vérifier ça tout de suite. Alors, toi, t'es. Non, en vrai, ça va, en bois, t'es. Ça va. Non, non, mais j'ai pas encore de comptoir, j'ai pas encore de marchand, ni rien. Ah, oui. Non, moi ça va. Là, je viens juste de pouvoir améliorer ma maison commune, mais c'est tout quoi. Mais je vais m'occuper de tout ça, de ce pas. Ah, merci. Oh, bah. Cadeau les potes, j'étais full. Ah ouais. Ah ouais, je suis à plus de 18 ans que comme quoi. C'est ça qu'il faut que je fasse. Mais bien sûr. C'est évident. Mais... Cerveau en éruption. Les plus vieux d'entre nous connaîtront. Ici. Bah oui, t'en fais un... Ouais, bon bah, je crois que mes mercenaires sont morts, je suis pas sûr. Non, pas pour moi, tu joues son quand même, perd un peu de temps. Des fois, ça aide. Quelques personnes blessées qui vont devoir soigner. Ah, ça, je suis en montagne, tu peux en renommer.
Ah, je peux encore faire un fort, c'est comme ça. Ah mais oui, j'ai totalement oublié le bûcher là. Bah là, ouais, on a le clan du Kraken qui qui commence à exploser là. On est deux dessus, on va prioriser un petit peu la défense. Ouais, j'aurais bien aimé avancer avant. Pareil, tu m'as donné une idée là. Ah non, mais genre, tu m'as donné une idée de forger une relique, bien sûr. Ah oui. Bah, moi là, je commence à faire la mienne là. Et advienne que pourra. Je crois que je vais mener le clan Corbeau, j'aime bien. Bah, le clan Corbeau, c'est vraiment un super clan. Il est vraiment bon. Jouer avec, c'est cool, mais jouer contre. Hein. Oh, oui. Bon, après, tout dépend comment il est joué. Hein. On y va. Okay. Mais ok. Parfait. Ah, ouais, d'accord. Oula, ça me t'accélère. Votre allié Ranox est attaqué, ouais. Ah, Mathilde! Bienvenue! Rebonjour! Par des pirates ou quoi? Des vikings? Bah, le orange qui. Il a sa petite armée. Modifié. C'est léger, c'est tac, léger, hein. On va faire ça. L'orange, il est où? Non, mais l'orange, je vais vite en finir avec lui bientôt. C'est gaffe, j'ai découvert toutes mes maisons communes. Ok, là ça a pris ici. Ah oui, petite armée. Bon, rien. Oh non, c'est les gens. Ah, c'est quoi le golem de pierre? Ah, c'est le. Ok. Ça montre ce qui vous va contre sur cette map sur New York. Qui est très très puissant. Faut se méfier. Waouh, mon clan meurt de froid? Ah ouais, on dirait. Je savais même pas que c'était possible. Mince. Comment je vais faire, moi? Le cannibalisme. Ah, ouais, ah bah oui. T'as pas assez de bois, quoi. Bah non, j'ai pas assez de bois, non. Chaque problème, sa solution. Allez, venez. Le clan du dragon, tu veux pas me prêter un peu ton bûcher? On a besoin de se réchauffer un petit peu. Ça y est. On revit. Parce que même moi c'était limite. Ah.
les kobolds. Ce que je vais faire, je vais faire ça. Je vais faire ça. Là, ils sont deux. J'ai pas prévu ça. Il y a l'autre boulet clair. Alors, ici, ce qui peut m'intéresser... J'hésite. On va prendre ça. En tambour, je suis toujours mal, moi je comprends même pas. En bois ou en bouffe? Non, non, en bois. Ouais, la même, t'inquiète. Non, en bois, je suis pas. Je suis pas trop serein pour l'instant. Hein. Ah que coucou, salut Panda, merci d'être présente. Bon, je sais bien que le contenu de Northgard ne t'intéresse pas trop, mais... Sois la bienvenue quand même. Alors ici, ok, on est d'accord. Je reste sur ton live, je suis en train de manger. Et ben bon appétit à toi, Cap Benji. Ça va, t'inquiète, je reste dessus avec du sang pour t'encourager quand même, merci. C'est gentil de ta part. Ouais, par contre... On va devoir faire ça et certainement ça. Oh. Ah ouais, 452 de renommée quand même déjà le corbeau.
Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Je regarde même pas. Moi, tu sais, c'est normal. Hein. Non, bah, vraiment, non, vraiment. En fait, là, j'essaie d'avoir le sens en bordel. Ah ouais, c'est la lune. Ah mais c'est beau. Ouais, c'est quoi ça? C'est la lune, c'est trop bien. Alors pour ceux qui connaissent pas la lune rousse, c'est un événement qui booste tes capacités dans les zones hors de ton territoire. Ok. Bon, sinon ça va, vous, de votre côté? Eh ben... ça se déroule, hein. Ça... Il y a des hostilités qui se lancent, mais ça va. Ouais. Ah, fin de la lune rousse. Ok, parfait. Ok, ça marche. Oh, j'ai atteint le mythe de Régie a récupéré le petit oiseau. La la la, cet petit oiseau qui fait que cuit 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 tra la la titila, fait cuit cuit chouchou. Petit oiseau, la 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 la. Cet petit oiseau qui fait cuit 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 chouchou, cuit 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 cuit. Le petit oiseau qui fait... Ah oui, Régie! Bon, Régie, tu es un des premiers à reconnaître les demi-pop de François Pérus. Donc, je te donne le droit à 500 points bonus. Tu les auras après le live. Alors, ce que je vais faire... c'est que je vais mettre plusieurs... Enfin, à chaque fois que je mettrai un son, c'est... Enfin, ce sera des choses qui m'ont marqué. Si jamais vous trouvez de quoi il s'agit, vous aurez 500 points bonus.
Et ouais, ta culture te carie. Mais c'est une bonne culture. Ah, les demi du peuple, c'est juste magique. En, bah, moi, j'ai un métier où je suis régulièrement sur la route. Je travaille sur 4 départements. Et quand j'ai pas d'appel à passer à mes équipes ou à mes partenaires, à mes clients, je mets les demi du peuple. Là, c'est une vidéo sur YouTube qui dure 9 heures. Et j'écoute les demi du peuple comme ça. Et ça me fait passer le temps et ça me fait marrer dans la voiture. Ah, mais il n'y a rien de mieux. Bah ouais, bah ouais, les demi du peuple, attends. C'était magique. Ah, ce que j'aime pas, le corbeau, nom de Dieu. Ah, c'est vraiment horrible, hein. Bah ouais. Mais ça va, la tour aura pas lâché, étonnamment. Ce qui est déjà pas mal. Hop, ça on laisse comme ça. Et ça on laisse comme ça aussi. Attends, là on est en hiver. C'est normal. Incroyable. Je mettais ces vidéos pendant que je mangeais quand j'étais au lycée. Ah bah, les demi du peuple, c'est vieux, hein. C'est vieux. Et ça a pas trop percé, ça a pas trop percé en France, ça a surtout percé au Québec. Mais chez nous, ça a un petit peu percé. Alors sur la plateforme, attention, attention les vieux, sur Dailymotion. Sur Dailymotion, il y avait des parodies, donc c'était à l'époque le concurrent français de YouTube, qui a pas du tout percé. Hein. Ça a commencé un petit peu à percer à l'époque, il y a peut-être une dizaine, oh, non, une quinzaine d'années. Et après, bah, ça s'est écroulé. Et en fait, sur Dailymotion, tu avais des parodies de manga, de Naruto. Enfin, c'était principalement Naruto d'ailleurs. Et c'était les répliques des demi du peuple. Avec les images de Naruto et ça rendait super bien et ça a permis à certains Français de découvrir les demi du peuple et c'était juste génial. Oui, mais les parodies Harry Potter, One Piece, etc. Il y en a eu aussi sur YouTube. Ouais, il y en a eu aussi sur YouTube, mais elles ont moins percé que sur Dailymotion à l'époque. Et c'était c'était génial. D'accord. Je m'entendais pas à ce que tu joues. Comment? Je m'entendais pas vraiment pas ce que tu es tu. Je pensais que tu voulais devenir ami avec eux. Mais t'avais même mis... écoute, tu commences le boulot dans le terminé pour la répute, hein. Ouais, et puis ils sont chiants quand ils font leur événement, en plus. Merci à vous de les avoir butés, hein. Non, mais en soi, ça m'arrange, et puis je dis pas non. Mais rien que le capoué, on l'utilise encore à foison avec des potes. Bah nous aussi. Bah nous aussi. Puis là, il y a pas longtemps, je suis... bah justement, je suis devenu papa il y a 2 mois et demi. Et avec un de mes... Enfin, avec mon pote, hein, bah, qui était sur le live tout à l'heure, Boubura, qui était à la... Tout à l'heure, enfin, il était hier à la maison. Et encore maintenant, on sort les répliques de Capoué avec Henri, Henri. Ce connard, il s'attache à la voiture. Et c'est... Bah, c'est une partie de mon enfance et de mon adolescence aussi. Donc, c'est juste énorme. Oh, les demi du peuple. Je te rattrape au couteau, je te rattrape. Non, non, mais je m'en fous. Tout doucement. J'ai eu mon sens. Félicitations, merci Régie. Mais ouais, les demi du peuple, ils en ont tellement. Et moi, j'adorais les X-Files du peuple. Ah, c'était génial. Mais je crois que j'en ai... J'en ai qu'un sur mon stream deck. Mais j'en remettrai.
Ah oui, c'est ça. Vas-y. Hop. Ah oui. Faut mettre, tu vas la fermer, Glaïeul. Ah, bah. Oui, ouais. Je vais devoir la trouver et le mettre sur le stream deck. Mais t'as obligé. Avec tes yotnars, toi. Il t'attaque depuis tout à l'heure avec des yotnars. Ah oui. Ah ouais, non, mais. Mais à chaque fois que j'affrontais un corbeau en conquête, c'était la même. C'était toujours les yotnars. Ah, c'est. Mais... Ah, les bots ils font ça aussi, c'est clair. Ouais, je sais quoi cette armée. Ah, c'est plus une armée ça. Il y en a des centaines à mettre. Je vais me faire un dossier. Alors d'ailleurs, sur le Discord, n'hésitez pas à mettre dans recueil de souvenirs. Non, je vais créer un nouveau channel. Là je vais créer. Je vais créer un nouveau channel et pour me mettre les meilleures citations. Ah ouais, je peux pas aller chez toi. Hein. J'ai pas de. Alors, si jamais il te donne pas le Discord, n'hésite pas à aller dans ma bio. Tu as un petit logo avec le Discord pour pouvoir justement avoir le lien. Il faut que je configure les actions. Pour l'instant, je crois que j'ai mis que point d'exclamation YouTube, rank, level. Je suis pas sûr d'avoir mis le Discord. Ouais, je peux pas venir chez vous, les potes. Je comprends mieux pourquoi je fais quasiment jamais d'utile. Coucou Maya. J'avais pas un village. Ah mais si, oui, ça y est, je me rappelle, le yotnard. Bah oui ma belle. Oh non, pas moi. Ah, un Discord qui sent bon, l'âge de guerre et les dracars. Ouais, c'est ça. Ah bon, on est parfaitement dans le terme. Hein. Enfin, dans le thème, plutôt. Oh, attention ici. Ah bah là, je suis mort. Là, j'ai rien pour défendre. Si personne peut venir mettre ça. J'arrive.
Ouais, ça va être compliqué. Alors, ils ont quoi? Ils ont... Bah, je suis mort, en fait. Ouais, non, je suis mort. C'est bon. Ouais, faut dire adieu. Ah, il faut faire attention à... Bah oui, attaque. Oh, ça serait bien s'ils sont fair play là, qu'ils arrêtent de m'attaquer, franchement. Ah ouais, je suis vraiment en têche de bouffassement quoi. Okay. Ah, j'avais pas vu en fait que tu te faisais attaquer depuis le début. De qui? De bleu. Ah. Bah oui. Ah, N'hésite pas à nous dire quand on attaque ta base, parce qu'on j'avoue, je suis focus des fois. Moi j'avais pas vu en fait. Ouais, on avait pas vu. De toute façon, il y a Thomas qui est en haut, ça redescend. Le pire, je vous dis qu'on pouvait attaquer. Moi, pour l'instant, je vous attaque plus, comme ça on fait. Ouais, puis on fait le traité de paix ici. Non, mais vraiment, je m'en viens, c'est la paix. Je suis après, ça fait partie du jeu, non? Ouais, c'est bon. Ah, mais attends, il dit ça pour tempo, mais t'inquiète, attends, la victoire commerciale, encore bon, on la connaît tous. Hein. Allez hop. Pas de... Quelle victoire commerce? Il y a pas de victoire commerce ici. Punaise, c'est pas fait contre le commerce. N'hésite pas à faire une tour près de ton port. Ouais, je vais faire ça. Ah mais comme quoi? Pour les compagnies, il ne faut jamais sous-estimer des débutants. Ah bah, si on en regarde, chacun a ses chances. Il y a une part de stratégie, une part de chance. Et après, bah, t'as toujours certaines opportunités qui s'offrent à toi qui peuvent être intéressantes. C'est qui le clan du sang? C'est moi. C'est toi? Je vais me remettre de ma famine. Et je suis même pas une zone de bouffe. Re Cap Benji. J'espère que tu as bien mangé. Alors des terres nouvelles, amis vikings, quelques-unes. Kebab ce soir. Ah, de temps en temps ça fait plaisir ça. Allez, tu as mangé pizza, je vais commencer à avoir de nouveau faim. Ah ouais, attends, pour des trucs comme ça, il y a toujours un petit peu de place à droite, à gauche. Ah oui, ouais. Donc là on est bon, ok. Allez, bonne tribu de Darkonien là. Tu joues à tout type de jeu? Alors oui, actuellement je suis beaucoup sur Monster Hunter Rise avec la sortie de l'extension Iceborne. Sinon je fais aussi un petit peu de League of Legends, je fais aussi beaucoup de rétro
Là, on a commencé à célébrer les 20 ans de la GameCube. Donc on fait jusque fin d'année 20 jeux GameCube. Et j'adore les RPG. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Je vais changer de la nourriture, ça serait bien, parce que je suis vraiment pas bien. De la nourriture ? Oui. Donc... Bah, écoute, j'avais peut-être fait encore mieux que moi en nourriture, je suis en négatif, donc... Je peux pas. C'est qui en a besoin ? C'est moi, c'est... C'est au couteau. Hop. C'est parti. Merci. GameCube, mon dieu, ah bah oui ! Cool, multigaming, c'est ça que j'aime. Alors, bah, on va dire, au début, j'étais très multigaming, mais aujourd'hui, je suis beaucoup pris par Monster Hunter Rise. Et quand je suis pas pris par Monster Hunter Rise, bah, c'est par Northgard. Il y a du monde, hein, quand même. Hein. J'essaie de me défendre comme je peux. Ouais, non, mais tranquille, hein. Surtout que je fais du monde, mais du coup, on fait quand même pas énormément. Ça prend du temps, ces jeux. Oui, je comprends. Bah, c'est sûr de la partie farm, en fait. Et vu qu'on joue à plusieurs, en fait, on s'est dit avec deux de mes potes qu'on allait commencer le jeu Monster Hunter Rise ensemble et on allait terminer Sunbreak ensemble. Donc, on essaie de se caler. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours la possibilité de jouer à tous les jeux qu'on aimerait faire. Mais ça va, on arrive quand même... À jouer un petit peu de tout. Ah ça, le farm, je connais. Ah ouais, t'es un joueur de quoi, toi, Cap Benji ? Principalement MMORPG. Ah ouais. Donc tout ce qui est WoW, Métain, etc. Ça va être fini. Ah oui, non. Retire ton... Retire ton commerce. On va essayer de voir ce qu'on peut faire à la victoire. Ouais, mais genre moi, en fait, je dois bientôt y aller. Genre, Ah mince. Comme ça. Non mais genre on a gagné, après vous pouvez reprendre partie si on a le jeu. Bah après pour moi ça va être plus compliqué. Ah Lost Ark, ah oui Lost Ark aussi, Diablo en ce moment. Oh les racks, oh les rats. Je vais y aller après. Attaque, ça attaque. Mais ouais. Oh les racks ils font mal. Non bah t'as la nourriture qui est ici. Faut même pas prendre mes zones depuis que j'ai perdu tellement que je suis sur la tête sur moi. Mais non, je déconnais. De toute façon, les gars, vous avez perdu les draconiens. Toi, tu peux lancer un dernier raid si tu veux mettre ça sur le jeu. Ah ouais, genre victoire par commerce. Oui. Ah, 98. Ah, j'arrive quand même à défendre. J'arrive quand même à défendre. Facilement, mais ça défend. Ah là, les miliciens que les tours de game leurrent, hein. Les gardiens qui sont efficaces. Efficace, efficace. Résisterai jusqu'au bout. Ah, j'ai pu cycler un petit peu ma population. Là, quand même. Donc, mais normalement, je vais attaquer pendant les rats, c'est pas cool. Bon, allez. Je vous laisse.
Ouais, ça marche. Fanner, salut, désolé, j'ai eu un imprévu soir. Non mais t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Ouais, du coup, je vous laisse peut-être à demain. Ouais, ça marche. Eh bien, merci beaucoup pour les parties. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Ouais, c'est sympa. Ça fait plaisir de jouer avec vous. On essaiera de se faire ça un petit... Bon, si ça vous va une fois par semaine, si vous avez un genre de prédilection, moi, je suis chaud. Hein. Ça me tente. Bon, n'importe. Bon, on essaiera de se caler ça sur le Discord. Ça marche. Okay. Bah, en tout cas, la bonne soirée à tout le monde. Bah, bonne soirée à vous. Merci à vous, en tout cas. Amusez-vous bien, reposez-vous et à la prochaine. Des bisouilles. Et voilà, c'est tout pour le live de ce soir. Donc vous voyez, on joue régulièrement entre nous hein, sur la partie Northgard. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien, alors si vous êtes sur YouTube, est dans la description. Si vous êtes actuellement en direct ou en rediff sur Twitch, vous trouvez les liens dans la bio. Donc voilà, tout est fait pour que ce soit simple. Donc, vous allez en bio, vous cliquez sur le logo Discord et vous allez recevoir une invitation pour rejoindre la guilde. Donc vous verrez un petit peu comment c'est fait, on est très, très porté sur l'univers guerrier, médiéval, viking. Donc la taverne pour discuter tous entre nous, le compendium pour mettre vos identifiants Steam, pour qu'on puisse jouer comme on l'a fait ce soir, vraiment tous ensemble, le recueil de souvenirs pour les clips et les choses, on va dire, qui vous ont marqué un petit peu dans votre vie de joueur, la gamelle. Ça, c'est la gamelle des animaux, hein, pour poster les photos de vos chats, de vos chiens, de vos iguanes, enfin, vos lézards, vos oiseaux. On va dire, ça crée un petit peu des liens entre nous, parce qu'on est, pour beaucoup, des amoureux des animaux. Le coin du fond pour les mèmes. Donc, attention, interdit au moins de 16 ans, hein, parce que des fois, il y a des trucs, on va dire, pas trop trash, hein, on essaie de se limiter quand même. Mais voilà... L'humour de l'un et de l'autre n'est pas forcément le même, donc essayez quand même de vous réguler. Et voilà, après, il y a encore d'autres choses, mais si vous venez faire un tour, n'hésitez pas. Ça nous fera à tous plaisir de vous accueillir. À la Skoll. Bah ouais, bah à la taverne. La taverne, tu peux trouver de la Skoll. Bon, messieurs, dames, sur ce, je vous remercie d'avoir été présents. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et agréable soirée, et vous dis à très bientôt. Salut.